Alors, je pars toujours avec un couteau bien affûté. Et je vais ciseler finement mon échalote. L'échalote a été coupée très courte à la base quand je l'ai épluchée, de manière à garder les feuilles attachées. Des tranches très fines à la verticale. Des tranches plus ou moins fines à l'horizontale pour éviter de se blesser. Quand le légume, en l'occurrence l'échalote, n'est pas très épaisse, je peux garder la pointe de la lame sur la table. Sinon, comme tout à l'heure, je levais le couteau et j'allais dans l'autre sens.